Aujourd'hui, l'équipe du Quatuor est ravie de vous présenter la couveuse Ducat 50 AVX avec moteur de retournement et possibilité de réglage de la température. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une couveuse totalement ronde, ce qui permet une très bonne diffusion de la chaleur et une homogénéité parfaite de la température. Nous avons programmé la température grâce aux trois boutons qui sont situés sur le couvercle de la couveuse. Nous l'avons paramétré à 37,7. Comme vous pouvez le constater, sur la partie supérieure se retrouve la résistance et le bloc de ventilation. Et dans la partie inférieure, on va retrouver la grille de retournement, la grille d'éclosion et deux bacs qui sont moulés dans le fond de la couveuse pour enlever la grille de retournement. Et ici, vous constatez qu'il y a deux bacs. On va pouvoir remplir pour l'eau un premier bac plus petit pour les premiers jours d'incubation, les 18 premiers jours, et un deuxième bac qui va permettre, qui a une surface plus importante, et qui va permettre l'éclosion des jeunes, et donc il sera rempli dans les 3 derniers jours. Ici vous retrouvez le boîtier de retournement, avec la petite barrette qui va se placer directement dans la coche qui est ici, et qui va permettre le retournement de tous les œufs simultanément. Vous n'aurez rien à faire. Voilà, on vérifie que tous les... que la grille est bien en place. Impeccable. Il ne nous reste plus qu'à charger les œufs, ajouter de l'eau et charger les œufs. Nous ajouterons donc de l'eau dans la partie centrale. Veillez à toujours placer les œufs pointe vers le bas. Nous avons donc placé 46 œufs dans l'incubateur et nous allons simplement remettre le couvercle sur celui-ci, vérifier que le branchement du retournement est bien effectué. Et rendez-vous au prochain mirage. Nous voici désormais au 18e jour de l'incubation dans notre couveuse 50 œufs à thermostat réglable. Nous allons procéder à un mirage afin de déterminer le taux de fécondité et par la suite le taux d'éclosion des œufs que nous avons pu mettre à incuber. Alors tout simplement, je soulève le couvercle de la couveuse que je place à côté. Je prends mon Airuff. On utilise le Powerlux qui est le plus puissant de la gamme, qui permet un mirage rapide, un œuf clair. On voit très bien la différence entre un œuf clair. Et un œuf fécondé. La poche à air s'est bien développée. Deuxième, troisième. Le mirage terminé, nous replaçons le couvercle de la couveuse. Et nous mettrons les œufs sur la grille d'éclosion dès ce soir. Nous voici arrivés à 19 jours d'incubation. Il est donc temps de placer les œufs sur la grille d'éclosion afin de procéder à l'éclosion des œufs, tout simplement. Pour cela, nous posons le couvercle sur le côté. Nous arrêtons le moteur de retournement. Simplement débranchant la prise. On prend l'ensemble des œufs. On va en profiter pour augmenter le taux d'hygrométrie dans la couveuse afin de faciliter l'éclosion des poussins. Il suffit pour cela de remplir le fond de la couveuse
Et ensuite, on place simplement tous les œufs dans le fond de la couveuse. Il ne reste plus qu'à replacer le couvercle sur la couveuse et à attendre 2 jours pour l'éclosion des poussins. Nous arrivons désormais à la fin de notre période d'éclosion et nous allons donc pouvoir ouvrir le couvercle de notre couveuse et constater le nombre de poussins éclos. Alors, on déplace simplement le couvercle et on peut pouvoir compter les poussins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 poussins. Et il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs à éclore. C'est bien cela. On va laisser les derniers poussins qui ne sont pas encore bien secs dans leur couveuse pour qu'ils sèchent tranquillement. Et les poussins déjà secs vont pouvoir être mis dans leur éleveuse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.